Bonjour, je m'appelle Martina. Je viens de terminer la MATIM en janvier 2021 et à partir de mars de cette année, j'ai commencé à travailler dans l'équipe de support technique de MemSource, qui est un système de gestion de la traduction et de la localisation. Donc, mes tâches principales consistent à aider les traducteurs, réviseurs qui ont des problèmes avec cet outil. Et je pense pour cette raison que la MATIM m'a beaucoup aidée pour trouver cet emploi parce que un des aspects les plus intéressants de ce master est le focus sur la pratique. Donc, on a beaucoup de projets pratiques, on fait beaucoup de travaux avec différents logiciels, donc on apprend vraiment des compétences pratiques en termes des technologies de la traduction, donc utiliser les mémoires de traduction, les bases de données terminologiques, la traduction automatique. Avant de trouver cet emploi, grâce à ce master, j'ai eu aussi l'opportunité d'écrire mon mémoire sur la traduction automatique. Et en particulier, c'était un projet en collaboration avec l'UEFA, donc l'Organisation de football en Europe. De plus, j'ai aussi fait, pendant mes études, j'ai aussi fait un stage à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'était toujours un stage en technologie de la traduction, qui m'a permis aussi de découvrir plus en détail comment les technologies de la traduction sont, utilisées dans une organisation internationale. Donc, je trouve que ce master m'a beaucoup aidé dans ces expériences et je vous conseille vraiment de vous inscrire si vous êtes intéressé par les langues, les technologies, la traduction et la localisation.